Alors, bonjour à tous, bienvenue à notre webinaire SADC pour entrepreneurs et gestionnaires. Donc, aujourd'hui, le webinaire portera sur le Google niveau avancé. Je suis Emmanuelle Lavigne-Landry, conseillère en communication, marketing et mentorat à la SADC du à Sud. Je serai aujourd'hui votre modératrice. Alors, avant de débuter, voici le déroulement de l'événement. Vous allez euh, apprendre euh, comment fonctionne le webinaire Zoom. Je vais faire également euh, par la suite une introduction et vous allez voir euh, la démonstration de Google Niveau avancé par Alexandre Faubert. Nous allons avoir une période de questions et des nouvelles de la SADC du sur sud ainsi qu'un mot de fermeture par notre euh, directeur général de la SADC. Alors, poursuivons. Donc, au niveau des instructions de la plateforme Zoom, euh, veuillez savoir que votre micro est présentement en mode sourdine et la caméra automatiquement fermée. Au bas de votre écran, vous avez la possibilité de poser une question écrite au conférencier par la fenêtre question-réponse du menu Zoom. Donc, je, je vous invite à regarder le menu Zoom au bas de l'écran. Vous pouvez utiliser euh, la fenêtre Q, euh, QR et vous pouvez aussi utiliser la fenêtre clavardage. C'est possible, de renommer votre nom de participant comme suit, avec votre prénom et le nom de votre entreprise, et aussi de composer des phrases complètes, s'il vous plaît, pour faciliter la compréhension de vos questions. Alors, Alexandre Faubert a le désir d'aider des entreprises de la région à mieux comprendre la réalité numérique d'aujourd'hui. Récemment détenteur d'une maîtrise en administration, concentration gestion du commerce électronique de l'université de Sherbrooke, ses récentes expériences avec des entrepreneurs de la région lui ont permis de constater que les PME ne connaissent pas tous les outils mis à leur disposition sur les plateformes numériques afin qu'ils puissent bien performer sur le Web. Avec la formation de la plateforme Google My Business niveau 2 que vous allez assister aujourd'hui, ils souhaitent que les entreprises d'ici puissent bonifier leurs outils afin de développer une stratégie numérique efficace. Alors, je suis bien heureuse d'inviter Alexandre Robert à se joindre à nous pour la formation. Bonjour Alexandre. Salut Emmanuel, ça va bien? Ça va très bien, toi? Ben oui. Alors, je te laisse présenter le contenu de ta présentation. Good, parfait. Continue. Ça marche bien? Oui, on, voit on bien. va très bien. Oui. Good, parfait. Donc, euh, bonjour à tous, très content d'être là aujourd'hui avec vous pour ce deuxième webinaire, euh, le premier qui a eu lieu en euh, juin dernier. Euh, donc, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire qui est euh, sur Google My Business, Google Mon Entreprise, mais d'une façon un peu plus avancée. Donc, des caractéristiques. On va un peu plus en profondeur. Là. Donc, euh, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tout d'abord, je vais faire un, un petit rappel euh, de qu ce que, qui a été dit en juin dernier. Euh, et après, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, qui est euh, l'amélioration de son positionnement euh, sur Google. Alors, on va aussi voir euh, deux sections, deux onglets de Google My Business, qui est la section avis statistiques, très importante. Et finalement, je vais euh, terminer avec un petit, un petit avantage concurrentiel pour vous démarquer euh, de vos concurrents. Donc, un rappel de la première formation de Google mon entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est Google mon entreprise Ben, c'est -ce euh, un outil marketing de Google qui est totalement gratuit. Donc, c'est lorsqu'un utilisateur fait une recherche sur Google, euh, Google va essayer, selon la recherche, de, euh, on va dire, matcher avec une entreprise. Euh, et euh, donc, comme vous pouvez voir aujourd'hui, les exemples vont être tirés de la page Google, euh, mon entreprise, du Gov77 que je connais beaucoup. Ça a quoi pour objectif Google, mon entreprise? Bien, premièrement, c'est au niveau de votre positionnement euh, dans la région, de votre entreprise dans la région. C'est aussi un moyen qui est très rapide euh, de, trans de transmission d'informations entre votre entreprise et vos clients, que ce soit euh, vos heures d'ouverture, euh, votre adresse. Votre numéro de téléphone. Donc, euh, ça, c'est les objectifs premiers de Google, mon entreprise. Je vais vous élaborer un concept. Euh, peut-être que vous êtes familier, peut-être que non, euh, mais qui va être très important pour le reste de la euh, formation, qui est le concept d'expérience client, customer experience. Euh, c'est quoi ça? Euh, ben, c'est la somme un peu de toutes les interactions qu'un client va avoir avec votre marque, avec votre entreprise. Je m'explique que ce soit au niveau du processus d'achat, au euh, niveau marketing, au niveau euh, service client, au niveau des outils numériques. Euh, puis pourquoi je vous parle de ça? Euh, c'est parce que c'est bien important d'investir dans l'expérience client. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce n'est plus vraiment les caractéristiques de vos produits-services qui vont vous démarquer. C'est surtout euh, euh, au niveau de l'expérience client. Donc, les clients vont percevoir vraiment une différence au niveau des expériences clients de votre marque ou des différentes marques. Donc, il va être plus porté à aller vers une marque ou un autre, donc votre marque ou les concurrents. Donc ici, je ne vous apprends rien. Vous vous reconnaissez, c'est la page d'accueil de Google Mon Entreprise avec les onglets de gauche que j'avais énumérés lors de la dernière, euh, du dernier webinaire. Et la principale recommandation, je vous avais dit, c'était de remplir à 100% ou presque votre fiche. Euh, que ce soit le secteur d'activité, vos produits, la description d'entreprise. Vous allez comprendre pourquoi. C'est que c'est ces informations-là qui vont être très utiles pour ensuite euh, euh, matcher un peu les recherches euh, des utilisateurs sur Google vers votre fiche, donc le positionnement. Donc, on arrive dans le vif du, le vif du, du sujet, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, donc avoir des trucs un peu plus avancés sur euh, l'amélioration du positionnement euh, sur Google. Donc, je vous présente ici une formule qui est, honnêtement, qui est non scientifique, mais qui va vous aider un peu à comprendre qu'est-ce qui est de votre positionnement. Donc, qu'est-ce qui vous fait de, de vous démarquer de vos concurrents ou d'être dans euh, la, le, la première entreprise qui sort après, suite à une recherche. Donc, il y a trois facteurs très importants à comprendre, à comprendre euh, pour savoir quel positionnement euh, Google va vous positionner à quel ordre lors d'une recherche. Premièrement, c'est la pertinence, euh, la notoriété, et, et la euh, localisation. Donc, euh, euh, je vais expliquer euh, un peu euh, ces trois facteurs-là. Euh, premièrement, la pertinence, c'est quoi Ben, c'est euh, Google va mesurer la concordance entre la recherche d'un utilisateur et les activités de votre entreprise. Par exemple, si un utilisateur marque épicerie Valleyfield, euh, ben nécessairement c'est pas un magasin de sport que Google euh, va matcher cette, euh, cette euh, recherche-là. Donc, euh, l'effet de pertinence est très important pour le positionnement. Deuxième, c'est au niveau de la notoriété. Donc, Google va mesurer la popularité et l'achalandage de votre entreprise. Donc, premièrement, le nombre d'avis, par exemple, que vous avez sur votre page Google My Business va influencer ce facteur-là. Ou l'achalandage, je ne vous apprends rien, mais on a tous des téléphones intelligents aujourd'hui. Euh, je ne vais pas vous faire peur, mais Google est capable de dire précisément à quelle heure de la journée il y a une plus forte achalandage. Euh, dans votre magasin avec les, euh, les données de localisation. Donc, c'est un autre facteur qui est très important. Et finalement, la localisation euh, qui mesure la distance entre la position de l'utilisateur dans le monde et l'adresse de votre entreprise. Donc, euh, si encore là, je demande une épicerie ou un restaurant à les fils, bien, Gourou ne va pas me suggérer un, un restaurant qui est en France ou qui est plus vers Montréal, Québec. Donc, euh, j'arrive dans un dans un concept qui est le concept des, des avis, hein? euh, les reviews que, les que la communauté ou les clients donnent sur vos entreprises. Et on va aller un peu plus loin dans l'élaboration. Je vous avais parlé que ce concept-là ou cet onglet-là de Google My Business, euh, ben, aujourd'hui est, est très important parce qu'aujourd'hui, les clients portent vraiment une attention particulière aux avis de la communauté sur votre compte de votre entreprise. Et c'est ça qui va déterminer. Euh, souvent, si on, on est plus tenté d'aller vers une entreprise ou l'autre. Par exemple, si une entreprise a 800 avis et euh, je vais vous dire un, un classement de 4 étoiles et vis demi vis-à-vis un autre qui a 800 avis, mais seulement 2 étoiles et demie, nécessairement, on voit plus d'étoiles, l'utilisateur va être porté d'aller visiter soit le site Web ou même l'entreprise en personne euh, à celle qui avait 4 étoiles. Donc, le but ici, c'est d'inviter votre, votre clientèle à aller publier un avis sur votre page Google My Business. Euh, et comment on récolte des avis? Ben, il faut les encourager, les encourager de manière directe. Et ça, ça va avoir un lien sur la formule que je vous ai présentée tantôt au niveau de la notoriété. Donc, euh, comment qu'on fait ça? Ben, c'est très simple. On, soit c'est par des avis qu'on qu qu met euh, au case. Dans votre entreprise, ça peut être des affiches sur les tables si vous êtes un restaurant, ça peut être au niveau de la confirmation de reçus par courriel ou texto lors d'un achat de produit, dans votre infolette. C'est juste de signifier à, votre, à vos consommateurs vous avez aimé votre, notre service, bien, euh, on vous encourage de, de nous laisser une note sur notre page Google My Business. C'est simple comme ça, euh, puis euh, on espère ensuite que les gens vont, euh, vont vous aider, puis aller. Euh, Mettre des avis sur votre page Google My Business. Euh, je vous présente un, un, un site, so, donc Google met à votre disposition, euh, ça s'appelle marketingkit.withgoogle.com. Donc vous connectez votre euh, compte My Business euh, à ce site web-là qui est fourni par Google, puis Google va euh, vous personnaliser des affiches ou des collants à mettre dans votre magasin. Donc c'est un peu un travail de moi à faire au niveau du design graphique là, que, ou euh, de faire ça sur Word. Donc, ils sont quand même beaux. Je vous donne des exemples avec le Golf synthétisé. Euh, donc, il y en a un, un exemple qui était Nous sommes heureux d'être de, de retour. Donc, euh, le Golf, nécessairement, l'hiver, il n'y en a pas. Donc, ça pourrait être une belle affiche à afficher euh, au, au, au Golf. Ou sinon, on va prendre des avis directement, des bons avis nécessairement, euh, qui sont sur votre page Google My Business et va les mettre en lien. Sur euh, une affiche personnalisée. Donc, ici, on a euh, le terrain qui est en super belle euh, shape, en, en bonne condition. Euh, puis on voit qu'en bas, c'est un, un avis de 5 étoiles par Joseph F. H. Donc, ce n'est pas une obligation, mais ça peut juste vous aider à, à essayer de récolter certaines, euh, euh, certains avis sur votre page. Euh, Répondre aux avis. Euh, je vous donne un exemple, euh, j'ai une petite histoire. Euh, L'hiver passé, j'étais en séjour au, à Shawinigan, je me cherchais un restaurant et euh, euh, j'ai marqué Shawinigan, restaurant, et je suis allé voir dans les premiers résultats, dans les avis directement, comme la plupart de peut-être que vous fassiez ou vos clients font, et mon premier réflexe a été de rechercher, oui, les bons commentaires, mais les commentaires négatifs. Pourquoi? Parce qu'on veut savoir qu'est-ce qui cloche. Là. Ça ne peut pas être super parfait, ça. Là. fait que c'est peut-être une mauvaise habitude, mais c'est une habitude qu'on voit de plus en plus tendance dans le domaine. Et euh, ce qui m'amène à vous parler, que les utilisateurs Google vont juger de votre réponse aux vos avis. Donc, comment réagir lorsqu'on a un avis négatif? Bien, premièrement, c'est de répondre rapidement. Je vous dirais, d'une manière générale, va, vous avez peut-être une semaine. Mais euh, un délai de réponse qui serait plus acceptable, je vous dis c'est entre 24, 24 heures et 72 heures. Deuxièmement, qu'il euh, s'agisse d'un mauvais service, d'une mauvaise expérience, que ce soit minime, là, ça a un peu d'impact. Admettez l'erreur. Commencez pas à vous estimer avec euh, le consommateur, même si on doute un peu de l'expérience ou de l'histoire. Puis la dernière étape, c'est de s'excuser. C'est juste de répondre. Nous sommes désolés de votre, de, de votre mauvaise expérience. Veuillez communiquer avec nous à telle adresse courriel ou par téléphone. Souvent, juste cette petite phrase-là va arrêter l'hémorragie. Euh, puis, des fois, la client ne va même pas essayer de vous contacter, euh, mais au moins, on n'aura pas un débat qui va s'ensuivre sur euh, votre page d'avis. Puis, ben, les utilisateurs Google, les futurs clients qui voient ça, ben, ils vont juger de votre réponse aux avis. Puis, vont dire ben, Regardez, un, au moins, c'est une compagnie qui s'occupe. Des, tant des bons commentaires que des mauvais commentaires, donc prendre soin de la clients. Donc, c'était un, un, un petit rappel de comment répondre aux avis négatifs qui peuvent aller sur votre page. Donc, l'autre onglet qu'on arrive, c'est l'onglet statistique. Euh, euh, l'onglet statistique, euh, Google va faire une compilation des données concernant les utilisateurs et leur comportement euh, quand ceux-ci recherchent votre entreprise. Donc, par exemple, ici, euh, dans, par un mois sur la page du Golf. On a eu 2, euh, 2360 euh, visites ou recherches. Donc, on peut voir qu'une petite statistique comme ça, euh, il y en a 1.6 qui ont été euh, à peu près, 1.6 qui ont été euh, sur le web. Il y en a qui ont fait une demande d'itinéraire, des appels. Ça, donc, ça nous donne des données comportementales euh, sur euh, votre page Google My Business, d'autres statistiques qu'on peut retrouver, bien, probablement les demandes d'itinéraire, ça vient de où? Euh, donc, puis ça, si on peut faire un peu de, du remarketing, du transplateforme Je m'explique. Si vous avez une campagne qui arrive sur Facebook pour euh, de publicité payante, on sait sur Facebook qu'on peut localiser directement euh, nos publicités selon les régions. Bien, regardez, on, on a une belle exemple, ça peut nous donner une idée de où euh, localiser ou le, développer le marché. Donc, je ne savais pas qu'il y avait du monde à delors des -Hormaux qui, qui ont fait des demandes d'itinéraires ou de Valifib. Donc, ça prend à l'allergère cette donnée-là, mais quand même, ça peut nous donner des idées de où localiser nos prochaines publicités, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Google. Euh, ce que je, vous, je veux vous parler de cet onglet-là, c'est des nouvelles mesures qui sont apparues il y a quelques mois. Mm -hmm. euh, donc, euh, comment, euh, par quel appareil, quelle plateforme les utilisateurs euh, utilisent. Pour accéder à Google, faire la recherche. Mais plus important, moi, je veux parler des mots-clés. Donc, il y a une statistique, quand vous allez dans l'onglet statistique, euh, qui vous dit euh, quels mots-clés sont utilisés, euh, puis que votre fiche apparaît. Euh, donc, ici pour le gars 77, euh, ça c'était depuis juin, de juin à novembre 2021. Euh, il y a eu au-dessus de 12 000 euh, apparitions de la fiche. Golf, Saint anne puis les mots-clés qui ont été utilisés nécessairement: golf, Saint anne terrain de golf, Saint anne golf, golf. Ce euh, que je vais vous amener ici à voir, c'est qu'il y a une liste à peu près de 50 mots-clés. Souvent, on peut trouver des insights qu'on appelle des indices aptes à peut-être développer un marché. Au golf, oui, on a le golf, mais il y a aussi un restaurant qui s'appelle le Bootlegger qui fait déjeuner et dîner. Euh, si on voudrait pousser cette, euh, ces mots-clés-là, ce service-là qu'on qu offre au golf, bien, je t'allais voir dans la liste, il se classe au 17e rang des mots-clés. Donc, quand quelqu'un avait marqué « restaurant Saint-Anne-Seth 7 la page est arrivée. Donc, si on veut euh, mettre de l'avant, euh, augmenter notre positionnement par rapport à ces mots-clés-là, je vous ai fait un peu un état de la situation, un petit, euh, un petit cas euh, pour faire. Donc, comment influencer les recherches Google pour que certains mots-clés soient mis de l'avant? Donc, si on prend la page du golf saint anne 7 on veut pousser les mots euh, restaurant, bootlegger, c'est le nom du restaurant, déjeuner, dîner. Bien, comment on fait ça? Bien, on peut juste simplement ajouter des mots-clés, ces mots-clés-là, dans la description de l'entreprise sur la page Google My Business. Donc, dans l'onglet donc, Information, il y a une place que vous pouvez marquer le secteur d'activité, la description de l'entreprise. Donc, peut-être de consacrer une ou deux lignes, un petit paragraphe concernant euh, ces mots-clés-là. Donc, qu'on a un restaurant qui est ouvert de telle heure à telle heure, qui offre le déjeuner, le dîner. Donc, tous ces mots-clés-là, ben, Google va les analyser par la suite. Puis plus ils vont être utilisés dans Google, plus ils vont être mis en relation avec ces mots-clés-là et votre entreprise. Ça peut être aussi d'inclure euh, les mots-clés dans les avis euh, sur Google. Euh, je donne un exemple. Euh, à la place de juste mettre des pancartes ou des petites affiches à l'intérieur de la boutique de golf pour que les gens vont au golf, c'est d'en mettre au restaurant puis de concentrer, les orienter vers le service. Donc, l'affiche pourrait dire, par exemple, euh, 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 vous avez aimé notre service, vous avez aimé nos nouveaux produits sur le menu, aidez-nous et allez euh, euh, nous donner un avis sur notre page Google ou Facebook. Donc, c'est d'orienter, ce n'est pas de dire directement qu'on veut avoir sur, sur le restaurant ou sur le tel type d'activité ou de nouveaux produits, mais c'est d'y aller de cette façon-là. Ça peut être aussi d'ajouter des photos qui sont en lien avec les mots-clés, des photos du restaurant. Ça peut être d'ajouter un lien vers le menu. Il y a une option qui met un lien vers le site Web où qu'on retrouve le menu. Donc, si on ajoute cette option-là, c'est sûr que Google va dire, il y a un restaurant à quelque part. Ce mot-là va peut-être ressortir. et On va essayer que dans les statistiques que je vous ai montrées, le mot-clé restaurant, c'est un Monte euh, euh, dans le classement. Puis, ça peut être aussi au niveau de créer des posts ou des événements. Par exemple, je sais qu'il y a un brunch de la Fête des mères euh, dans le mois de, euh, au mois de mai. Euh, ben, de créer un événement, Ben nécessairement, c'est toutes des, euh, des, des petites choses, mais que Google va, à un moment donné, allumer, de dire, hey, il y a un restaurant, puis euh, il est populaire. Là. On, on va l'inciter à, à inciter les gens à le mettre. Euh, euh, que, que la fiche du golf apparaisse lorsqu'il ajoute ces mots-clés-là. Euh, L'autre sujet que je veux parler, c'est un avantage concurrentiel qu'on voit de plus en plus, mais qui va vous permettre de vous distinguer de vos concurrents. Euh, c'est au niveau d'une caméra 360. Cette caméra 360-là, euh, à quoi ça sert? Euh, c'est juste de montrer un peu l'ambiance, l'état des lieux à l'intérieur de votre boutique. Sur Google Maps, on peut voir l'extérieur de votre entreprise la plupart du temps. Mais c'est souvent le fun d'avoir des photos intérieures ou même des visites virtuelles qui se font en dedans. Pourquoi je vous dis que ça vous permet de vous distinguer? Mais ça, c'est des euh, résultats d'une recherche de Ipsos euh, Google qui dit que 62 des visiteurs préfèrent les fiches qui comportent des, fauteurs, des photos de l'intérieur de la boutique. Puis aussi qu'il un autre donnée qui dit que les fiches proposant des photos, une visite virtuelle, sont deux fois plus susceptibles d'éveiller l'intérêt des consommateurs. On vient à mon concept de base que je vous ai parlé tantôt d'expérience client, c'est exactement ça. Vous n'en offrez plus à vos clients, bien, ils ont plus de chances qu'on suscite l'intérêt et qu'ils viennent. Des euh, caméras 360 euh, où qu'on trouve ça, euh, euh, ça c'est un exemple là. ici. On a la petite grange à, à, à Valleyfield, mais euh, ça peut être par si vous faites affaire avec une agence marketing. Je sais qu'il y a un, le site web de Google. Euh, ont les, la liste de noms par région, ça peut être au Québec, euh, même dans la région, j'en ai vu, qui sont des, euh, des business ou euh, des personnes qui sont approuvées par Google pour faire ce type d'affaires-là. Je sais qu'on peut commander notre propre caméra 360 aussi. Donc, vous allez vous renseigner là-dessus, mais c'est une expérience à faire vivre à votre client qui va l'inciter à venir. Hein. Euh, je reviens à mon histoire de Shawinigan. Euh, si je, je, je suis à la recherche d'un pub ou d'un restaurant, euh, puis je veux avoir plus sportif, bien, ça peut être cool de voir l'ambiance, comment c'est décoré, euh, comment c'est fait à l'intérieur, puis ça me donne, ça me met des attentes, là, à, à qu'est-ce que je m'attends comme expérience client. Donc, comme conclusion, euh, mon premier, euh, ma première euh, recommandation, euh, puis si vous pouvez retenir ça, euh, je serais très content, ça serait d'investir dans l'expérience client, de vous, de, dans l'expérience, et euh, dans le service. Parce qu'une personne qui est satisfaite euh, va en parler à son entourage. Puis ça, ce n'est pas des pubs payantes sur Facebook qui vont va, qui, qui va aider à ça. Ça va être du bouche à oreille, puis c'est totalement gratuit, ça. Donc, investissez dans l'expérience client. On est en 2021. investir dans les technologies, mais dans le service aussi que vous ouvrez dans votre client. Puis je pense que c'est un bon gage de succès. Et euh, pour ceux que ça intéresse, euh, ça ne s'arrête pas ici. Là. Euh, tout ce qui est les ressources qu'on peut retrouver sur Google My Business, il y a des formations qui sont données gratuitement par Google. On peut avoir des, euh, des idées par, par rapport à ça. Il y a des, des articles qui font, des vidéos YouTube. Euh, J'ai pris quelques informations pour faire ma, ma formation aussi là-dessus. Donc, tout est gratuit. Il faut juste prendre le temps de, de, de voir à ce que euh, de prendre le temps de s'informer. Puis, comme je vous dis, ça ne s'arrête pas ici. Là. Je vous ai donné des bonnes informations, mais euh, il y a d'autres choses ici à découvrir, que ce soit l'achat de mots-clés sur Google. Euh, donc, euh, c'est ça. Donc, euh, faites juste euh, veiller vos, euh, vos horizons, puis euh, allez rechercher l'information pour vous améliorer. Merci beaucoup, Alexandre. Ça nous a bien présenté les éléments euh, qu'on retrouve sur la plateforme gratuite euh, Google My Business, mon entreprise. Euh, je vais juste revenir au partage ici. Parfait. Donc, euh, c'est ça, comme, comme tu, tu mentionnais aux entrepreneurs, c'est d'aller euh, faire des tests aussi, d'aller euh, essayer l'outil gratuit. Euh, c'est pas grave si jamais il y, a, il y a quelques erreurs en cours de chemin. Il suffit tout simplement d'y revenir, d'aller ajuster. Euh, moi, ce que je recommande aux entrepreneurs, c'est d'aller visionner la formation 1 d'Alexandre si jamais vous ne l'avez pas vue. Et, euh, parfait, vous avez déjà la formation 2. Euh, et ça va permettre, dans le fond, d'expérimenter, euh, euh, ben, de mettre de l'avant l'expérience client, comme mentionnait Alexandre, mais de vous, de, de vous assurer une référence au niveau du numérique. Euh, C'est ce qui est important aujourd'hui. Euh, autant les gens vont pouvoir utiliser votre fiche pour se renseigner, mais aussi d'avoir une présence numérique. Donc, euh, parfait. Merci beaucoup, Alexandre, pour la présentation. Merci. Madame. Euh, Alexandre, si jamais il y a des entrepreneurs qui souhaitent euh, te contacter parce qu'ils aimeraient mettre en place euh, une fiche Google ou il y aurait besoin de soutien à ce niveau-là, est-ce que tu, tu offres ce, ce type de service-là? Oui, il n'y a pas de problème. Je pense que les informations apparaissent à l'écran. Il n'y a pas de problème. Contactez par courriel. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Parfait. Donc, on a le courriel, on a le numéro de téléphone. Autant pour Google, autant pour le commerce en ligne, si je ne me trompe pas. Exactement. OK. Puis quand on parle de commerce en ligne, on fait référence à quoi exactement? Bien, commerce en ligne, ça peut être au niveau du site web, ça peut être au niveau du marketing web, marketing numérique. Euh, ma formation s'étend sur plusieurs aspects, mais euh, oui, tout ce qui a rapport au web, euh, à part de coder un site web, là, qui est un peu plus difficile, mais tout ce qui est stratégie, euh, je peux aider là-dessus. Excellent. Donc, euh, on pense à Alexandre Faubert euh, dans ces besoins-là. Merci beaucoup, Alexandre. Euh, je poursuis ici avec les nouvelles de la SADC. Alors, alors j'espère que vous avez passé une un belle heure ou une belle demi-heure de lunch avec nous. C'était quand même assez rapide la formation d'aujourd'hui, mais c'était pour vous présenter les, grands, euh, les grandes lignes là, euh, que la plateforme gratuite Google vous permet de faire avec euh, votre entreprise. Vous allez recevoir un sondage provenant du logiciel Input Kit. On vous demande justement euh, d'aller mettre un avis Google à la fin du sondage et je vous rappelle qu'on a actuellement une campagne d'achat local. Euh, et vous pouvez aller vous procurer des bons d'achat rabais sur le site www.jessoutienslachalocal.ca. Euh, ça permet d'encourager les restaurants participants de la région et vous épargner lorsque vous achetez un bon d'achat. Je donne un exemple. Vous avez accès à des bons d'achat d'une valeur de 25 Vous les payez 20 Donc c'est ça peut faire un beau cadeau euh, qu'on glisse dans le bon Noël. Euh, au niveau du délai, on compte on estime à peu près entre 5 à 7 jours de livraison. Donc, prévoyez vos achats et ou sinon, allez profiter là, euh, euh, pour aller manger euh, en restaurant. Donc, je poursuis ici avec le mot de fermeture avec Éric. Bonjour, Eric. Oh, le micro, Eric, est fermé. Excusez-moi, j'arrive avec le micro. Bon, ben bonjour tout le monde. Ben merci, merci à Alexandre pour sa, sa, sa présentation et ses, ses précieux conseils pour vous aider, dans le fond, à, à, à vous démarquer, et à vous faire voir au niveau de, du site web, puis d'être déjà commencé une expérience client. Je pense que l'expérience client, c'est un, un processus. Ça commence du, du début à la fin. Puis le, le, L'expérience avec le, le, les sites web et autres en, en font partie. De, ça va sécuriser votre client. Fait que, espérant que les trucs qu'ils vous donnés ont donnés ont été, seront de... de... De, de, bonne, de bons conseils. Et euh, pour ce qui est de. écoutez, je vous remercie de votre présence ce, ce, ce midi. Alors, on espère que la formule vous plaît. Euh, il y avait une petite question, je oui. vais juste en profiter, puis il y avait une question sur le groupe là, de la part de, de M. Ec Turmel. Là, on, Exactement. Euh, on, 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 pour, on pourra peut-être lui répondre en direct ou euh, le, le rappeler par la suite. Euh, Est-ce qu'il y aura une formation achat, mots-clés, campagne publicité? Pour le moment, ce n'est pas prévu, Eric, mais on pourrait regarder cela là, de, de notre côté. Là. S'il y si a un intérêt, on est là pour ça, justement. Euh, euh, on, notre objectif à c'est de vous donner les, les outils, les, le, le plus d'outils possible pour être euh, réussis et euh, améliorer toujours euh, vo votre offre de service. Donc, euh, si c'est quelque chose qui, qui, qui est un besoin, bien, on, on le prend en note, puis on, on va regarder euh, peut-être avec Alexandre la possibilité de, de, de refaire une formation euh, dans le premier, ce premier trimestre là, de, de 2022. Donc, euh, et euh, je vais juste réitérer en terminant de de vous mentionner que si vous avez besoin de services conseils, que ce soit que ce soit en matière de gestion, en matière de communication, euh, gênez-vous pas de nous contacter. Puis euh, on est là pour ça. Nos services sont gratuits et euh, on va vous orienter euh, vers les bonnes personnes si jamais nous, on n'a pas les réponses à, à vos interrogations. Donc, euh, ne pas vous gêner de nous contacter ne, notre, sur le site web de toutes nos coordonnées sont là. Et euh, ça fait avec plaisir qu'on va pouvoir euh, vous répondre. Donc, euh, merci encore de votre présence, puis j'en profite pour... Euh, vous souhaitez de bonnes périodes des fêtes. On est encore loin, mais on commence à être dans la période un peu des, de, Noël, de Noël. Donc, j'en profite pour vous souhaiter une bonne, une bonne période des fêtes et un, une petite période de repos pour ceux qui pourront en prendre, se, ressourcer pour le, la nouvelle année. Fait que bonne journée à tout le monde. Bonne journée, bon lunch!